De Stichting voor de Toekomstige Generaties, in samenwerking met Nokia en het International Youth Foundation, hebben in januari 2007 een eerste oproep gedaan voor projecten onder de naam Future Smile. L'objectif de l'appel est d'aider des groupes de jeunes de 16 à 25 ans à concrétiser des projets qui apportent un plus pour les gens et pour l'environnement. Une vingtaine de projets ont bénéficié du soutien de Future Smile en 2007. En 2008, pour la deuxième édition de l'appel, une nouvelle vague de groupes ont vu leurs projets soutenus. Au total, une centaine de jeunes francophones et néerlandophones se sont retrouvés en janvier 2008 à Borzé pour vivre leur week-end de formation Future Smile. Twee goed gevulde dagen om hun project te kunnen stuwen naar nieuwe dimensies. Om hen te helpen waren een twintigtal animatoren en personen energiebronnen gekomen vanuit alle horizonten. Au programme, jeux de rôle, échanges, réflexions, repas bio, rencontres et conseils de spécialistes en environnement, en relations interculturelles, en éducation, en communication. Al deze activiteiten hebben aan de deelnemers toegelaten hun project te laten rijpen en evolueren. Dit alles met een zeer goed humeur en bij een gezellig samen zijn. Enkele heet van de naaldreacties. We hebben veel bijgeleerd, vooral van de media en zo, om dat een beetje te promoten. Maintenant, on sait ce qu'il faut améliorer et tout ça dans notre groupe, l'organisation, etc. Ja, we hebben zo'n bospel gedaan met waterzuiveren en dat vonden we wel interessant om met onze kinderen op kamp te doen. On a pu discuter avec des personnes et alors on va avoir un projet d'aller chercher des légumes chez les petits fermiers et distribuer à nos villageois. Door met anderen samen te zijn, leert je buiten die cocon denken. Ik denk dat anders te veel in je eigen groep je eigen bevestigt. Huit mois plus tard, les projets Future Smile 2008 sont devenus une réalité. Un feu d'artifice de projets qui partent dans toutes les directions. Une diversité qui fait plaisir à voir. Bijvoorbeeld, een groep studentencommunicatie uit Luik heeft een artiestenparcours georganiseerd die de kunst in het bereik van allen brengt. Hun slogan: een kunstwerk voor 2 euro. Chaque fois que le public vote pour quelqu'un pour la somme de 2 euro, ça vient augmenter la cagnotte de départ. À la fin, on tire un bulletin au sort. La personne gagnante remporte l'œuvre de l'artiste qu'elle a sélectionné et l'artiste remporte la cagnotte. Les jeunes de l'atelier environnement de l'école Maria Assomptia à Anvers ont mené un projet sur l'eau aux multiples facettes. We hadden dit jaar 3 uitstappen, wateruitstappen en we hadden ook in actie het Run for Life. We moesten geld ophalen voor het waterputten in Namibië en we hebben ook een happy ending gedaan bij ons op school met bioproducten. Water, maar eveneens afval, stonden in het midden van de belangstelling van de jongeren behorende tot het buurthuis La Bouche Terre in Charleroi. Hun doelpubliek, de andere bewoners van de wijk. On a fait une exposition sur l'eau. Donc c'est plus pour les plus petits, leur expliquer que l'eau, c'est quand même important. Et donc on projette d'aller visiter une station d'épuration d'eau avec les habitants et leur expliquer le compostage aussi. Les animateurs de l'ASBL Vrimmel de Wetteren ont pour leur part organisé un camp aventure dans les Ardennes. Leur objectif, permettre aux enfants participants de vivre au plus près de la nature en apprenant à la respecter. We proberen met de kinderen toch hier en daar wat educatieve spelen te doen. We zijn geen pedagogisch project, maar we kunnen het er toch zo wat inschuiven. Niet alleen in de spelletjes, maar ook aan de tafel bijvoorbeeld. We staan ook heel achter de Fairtrade producten. Aan de universitaire faculteit van Saint-Louis in Brussel werd een nieuwe studentenkring geboren. Het doel? De campus ecologische werkwijze bijbrengen. Zoals fietsdag om studenten aan te zetten hun fiets elke dag te gebruiken en de campusautoriteiten om de fietsstallingen te vernieuwen en aan te passen. Het was een feestelijke en solidaire dag. On offre un petit déjeuner gratuit, bio, à tous les gens qui prenaient leur vélo. Donc tous les élèves, comme les professeurs, comme les membres du personnel qui prenaient leur vélo pour venir à l'université durant 12 jours en fait. 5 voorbeelden onder de 20 projecten gesteund door Future Smile in 2008. En septembre, les jeunes de la promo Future Smile 2008, venus des quatre coins de Belgique, ont envahi la Groenplatz à Anvers pour présenter leur projet. Sous un soleil radieux, les visiteurs ont pu découvrir des stands tous plus colorés et animés les uns que les autres.
Dus ja, wij zijn hier omdat wij deze morgen hier tentjes hebben opgezet. En nu komen wij kijken wat hier allemaal te doen is en om ideeën op te doen voor ons buitenlands kamp. Au menu, échange d'expérience, stand associatif, atelier de travail sérieux ou ludique. Les participants ont par exemple eu l'occasion de fabriquer des instruments de musique en matériaux recyclés ou des cosmétiques naturels. De logistique richt zich op duurzaamheid. Zo werkten de publieke toiletten met kattenbakvulling, dus zonder water of chemicaliën. La place a vu également défiler une diversité d'artistes. Jonglerie, animation de rue, hip-hop, fanfare ou encore concert pataphonique. Le jeune chanteur pop-rock Jasper Erkens a clôturé l'événement par un mini-concert tout en poésie. Thank you. Goh, ik vind dat eigenlijk allemaal wel goed dat je zo de projecten van andere mensen kunt zien. Concreet en uitgewerkt. En dat je dat kunt vergelijken van wat hebben jullie gedaan. En wat was er goed, wat was er misgelopen. Alle inlichtingen en dossiers voor de kandidaatstelling voor de oproep 2009 zijn beschikbaar op de website www.futuresmile.be.